Eh bien, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on se retrouve à LA County Fair. Alors, qu'est-ce que LA Fair? C'est la version, en fait, californienne de la foire de Paris. Elle est pour Los Angeles, Fair pour la foire. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos parce qu'on est venu il y a quelques années. Mais cette fois-ci, c'est quand même important et c'est un nouveau départ. Après 2 ans d'interruption de cette foire de Los Angeles, de cette LA Fair, à cause de la pandémie, hein, comme partout et bien dans le monde, tout était bloqué. Et aussi, une autre chose, c'est que c'est la 100e édition. Donc, il devrait y avoir des attractions un peu spéciales pour le 100e anniversaire. Et aussi, un autre changement, c'est que avant, jusqu'à il y a 2 ans, la LA Fair, qui est située à Pomona, pas très loin de Los Angeles, se déroulait en septembre, début septembre, et comme c'était à cette époque-là, eh bien, il fait très 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 chaud. C'est vrai que c'était assez compliqué de passer la journée. Alors ils l'ont déplacé, eh bien, au mois de mai. C'est pour ça que nous sommes là, d'ailleurs. Hein. Nous sommes le 14 mai, voyez. Alors moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais filmer un petit peu tout. Je vous mettrai de ça. Et puis, j'espère que vous allez aimer ça. Allez, je vous dis à plus tard. Bye. La Feria del Condado de Los Ángeles de este año regresa con una inversión, entretenimiento. Et oui, ce n'est pas une plaisanterie, il y a du bacon au Nutella. Alors, je crois pas que je vais tester. Voilà, là où je vais prendre mon repas, ça va être ici.
Voilà pour les curly fries et turkey leg. Voilà, je suis choqué. Une frite et une cuisse de dinde, telle que vous voyez là, j'en ai eu pour 36 $. Eh bien donc, nous voilà au repas. Et bien sûr, la tradition. Voilà, et bien c'est la cuisse de dinde. Je vais la prendre un peu mieux. Voilà, la cuisse de dinde. Voilà. Donc Sean, lui, il a des tacos ou des nachos? Nachos. Nachos. Et c'est not tacos. Avec un carne asada. Et Catherine et Thierry, eux, c'est du Hawaiian chicken. Hawaiian chicken. Ah, c'est sympa, c'est bien présenté. Hein. Ouais. Et en plus, ils ont l'ananas. Voilà. Ouais. Alors, moi, il n'y a qu'une chose que je puisse vous dire. Bon appétit. Halloween parce qu'on est plus au mois de septembre. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Regardez les poupées poutines, les poupées russes. Oh.
Voilà, alors quelque chose que l'on trouve ici, et je pense qu'on ne trouverait pas à la foire de Paris, hein, comme je vous ai dit, ici LFR, c'est l'équivalent de la foire de Paris, c'est les cimetières qui font leur publicité. Alors comme vous savez, peut-être vous ne savez pas d'ailleurs, les cimetières ici sont privatisés. Donc ils vont pratiquement de la prise du corps, la mise en bière et bien sûr l'enterrement sur des terrains qui leur appartiennent. Et eh bien ils font la pub ici, comme vous allez voir tout de suite, comme vous pouvez voir. Voilà. Et là ici, eh bien on a les pierres tombales. Voilà les pierres tombales. Et vous avez jusqu'au cimetière, jusqu'au cercueil. Voilà, vous pouvez choisir votre petit cercueil. Hello. Voilà, donc c'est quand même assez unique. Size was not enough proper use of the safety.
bien voilà, ainsi se termine notre journée à Elle est Cantifère 2022. Alors, bien, j'espère que vous avez bien, que vous avez apprécié cette vidéo. Alors donc, Elle est Faire se poursuit encore pendant 2 semaines jusqu'à la fin mai 2022. Et voilà, donc si vous êtes dans les parages, eh bien, vous pouvez passer une super journée. C'est à Pomona, dans le San Bernardino County. Et voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cette vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. Au revoir. Bye bye.